T'aurais pu mourir, sale fils de pute, je t'ai sauvé. Sale fils de quoi, cabron? Sale fils de pute. Répétasse, répétasse. Parce que j'ai l'impression que les nerfs sont tendus. Répétasse. Moi, il y a une gilet pare-balles et des lunettes pare-balles. Mes lunettes, elles sont un titan. Tire-moi dans la tête. Non, les policiers vont venir. Oh merde. Pow, pow, pow. Yes, we me go, raconte. Il va montrer tes corones. Y'a pas besoin d'un DP pour te baiser ta mère, cabron. Confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Balas putos. Putos los balas. Putos. Tu cours pas assez vite, cabron. Tu me cours après, cabron de merde. Il est en cool. L'Orio, d'où est ça, l'Orio? Non, non, mais je suis devant l'hôpital, là, je l'attends. Ah, ok. Oh, l'Orio, il est mort. Il est avec moi, Miguel. Il est mort? Comment ça, il est mort? L'Orio! Putain, l'Orio, il est mort, les gars. D'où est ça, l'Orio? Comment ça, il est mort? Le centre du barrio. Il est là, Miguel. Mets un costard, Miguel. Là, il y a un autre. Oh, tu m'as fait peur. Ce soir, c'est enterrement. Il a cru que t'étais mort, l'Orio. Non, je suis pas mort. Comme ça, hermano, c'est bien, non? Oh, mais c'est bien, là. Merci. Je te déteste. Pourquoi? Tu es le cauchemar des cauchemars. Tu es le boss final des cauchemars. Pourquoi, hermano? Tu hantes nos cauchemars. Même les propres cauchemars ont peur d'eux. C'est bien là, comment... Lorio. Ouais, dis-moi. Tu aimes bien? Comment je suis habillé? Pas comme ça. Pourquoi, hermano? Mets-moi une chemise, au moins. Un col roulé, au moins un col roulé. Non, par favor, par favor. Si, oblige-toi, au moins. Même moi, je déteste, là, je me sens mal, là. Hermano, cabron de merde, ça... Attends, je crois que la liasse, elle est tombée par terre. Allez, mets-toi bien, c'est pour... Hey, hey, hermano. Du jefe, là. Et alors, mais je suis bien, pour de vrai, là, je suis pas en train de rigoler, là. Tu ressembles à je sais pas quoi, là, c'est quoi, ça? T'as mis un gilet, torse nu. L'Orio, ouais, non, là, je te jure, ça tue, par contre. Il est peu comme ça? Moi, je sais pas, tu vois, mais... L'Orio. Sans rien en dessous, ça tue. Je suis en bas, moi. Ouais, c'est bien, oui. Gracias. T'as vu? Oui, c'est très bien, même. Yo, SH! Cállate, chica de mierda! Oh, está los presidente! Ça va, hermana? Ouais, me dit quelque chose à lui. Hein. Ça va, madame la presidente? Ah, ça va, bonjour, monsieur. Ça va, oui. Tu vas bien, madame la presidente? Tu te rappelles de moi? Ah, mais oui! C'est que cette bannière? C'est moi, il était braqué. Tu étais mon autorage. Vous avez. Attends, vous avez braqué la flica? Pour acheter ça? Oui, Herbada, t'as vu? C'était le bel coaché, hein? Oh non, tu regardes des vidéos YouTube how to faire une bagnole fait maison là? Oui, Herbada, tu connais toi aussi? Putain, mais tu regardes ça, c'est des trucs de merde sur Facebook là? Ouais. Oh là là, mais c'est du carton? Mais madame la présidente, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes devenue une cocharde? Tu es prêt là ou pas? Mais non, mais c'est parce que j'ai bientôt touché, il y a plus de vêtements qui sont. Ah, tu es grosse, d'accord. Mais pourquoi vous avez mis du carton? Non, mais c'est une blague. Il est à l'hôpital ou il est mais c'est pour le protéger. J'allais appeler la police, mais je vais rien faire du tout, j'ai trop pitié là. Putain, sans déconner. Mais c'est pour le protéger. Elle vous arrête là. Madame, ce soir, je suis en deuil. Ah, vous aussi? Oui, pourquoi vous aussi? On enterre notre beau cousin. Nous, on enterre Veltugo. Los jefes de los vagos. J'espère que vous l'enterrez pas à 23h parce que 23h c'est notre créneau à nous. Non, l'enterre maintenant. Ah oh, putain. Ah ouais, bah 20 minutes. Ah bah on va enterrer derrière vous alors. Bah ouais, on va forcément se recroiser. Il y aura plus de monde chez nous, cabron. On va faire plus de ventes. L'amour triomphe toujours, monsieur. Oui. L'amour et la popularité, cabron. Allez, hasta la vista, baby. Hasta la vista. Arrivederci. Au revoir. Allô? Oui, L'Orio. Selim? Allô? Allô, Selim? Oui. Hein? Ouais, je t'entends, et toi? Ouais, je t'entends. Il y a l'enterrement de Vertugo. Ok, je sais pas. On va pas tarder à commencer, on va chercher le col, si tu veux venir. Vas-y, je serai pas loin. Okay, oui, forcément, oui. On arrive au barrio avec Radal. C'est un peu chaud pour moi, du coup, je vais rester discret, mais c'est normal, vas-y. Je serai là, t'inquiète. Là. Ah, ça fait plaisir. De quoi? Rien de me prendre des vents, mais j'ai l'habitude. Ah, tu m'as dit hola? Ouais, t'inquiète. Hola, hijo de puto. Tu vas bien? Pourquoi tu t'insultes mon puto? Ah, je sais pas. Bah, je vais mettre mon chapeau, sinon les pollos ils vont m'arrêter tard. Ouais, vas-y. Ils arrivent où? Au quartier? Oh, hola, señor Ulysse, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va, hermano. Tu es venu pour l'enterrement? Ouais. Bon, laisse-moi tranquille dans mon coin, là. D'accord, hermano, d'accord, pardon.
peut aller voir les Balas, il leur propose une trêve le temps de l'enterrement. Non, 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 Miguel. On les a vus déjà. T'étais pas là, la table de guerre, Miguel. Ils sont venus à l'hôpital. Juste après ça, on va s'en occuper d'eux. T'as une trêve pendant l'enterrement? Voilà, je lui dis respectez nos morts, on s'occupera de vous après. Et il a dit quoi? Oh, c'est nous qui allons s'occuper de vous. Il a dit ça? Ouais. D'accord, bon. Oh, Machika m'appelle, il revient, il veut téléphoner. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a, hermano? Attends, fais voir, attends, 2 minutes, attends. Qu'est-ce qu'il y a, hermano? Hermano? Voilà ça. Non, pourquoi? Arrêtez! Non, Miguel. Pourquoi? Miguel, c'est l'entraînement. Oui, d'accord. Bah attends, je vais juste tester un truc. Ulysse, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, pas trop dur. Écoute, c'est plus dur pour vous, non? Ouais, ça va, ça te dérange pas qu'il y ait le truc du cul de Miguel devant toi? Non, pour ce soir c'est bon, je m'en occuperai plus tard. Miguel, t'étais où hier? Moi, hier? Bah, il était là. Mais okay. Je te disais du coup, comment ça se passe? Je sais pas, je t'ai pas vu hier, hermano. Si, il était là. Ben, on est là, enfin, ça bouge pas, hein. Miguel! Vas-y. Okay. Va me chercher le tuyau derrière là, s'il te plaît, juste pour d'accord. Moi. D'accord. Et du coup, Ulysse, tu comptes faire quoi là ce soir? T'en es où là? Ben, je sais pas. Hein. Arriver au cimetière. T'es trop fort! Non, mais viens, au barrio. C'est pas au cimetière. On voulait. Non, mais pour la coche là. La pompe funèbre, là, tu vois ou pas? Ouais, mais avec les corps, il faudrait. Tiens, los tuyos. On les emmène jusqu'au cimetière. Venga, mi hermano. Merci. Mais hermano, il y a une idée. Los cadavres de Vertugo, on pourrait le transporter sur mon toit. Dans la voiture. Non, arrête, Miguel, sois sérieux, s'il te plaît. Non, je suis sérieux. Ça pourrait être. Non, on peut pas. Et on fait une cortège jusqu'au cimetière et après on l'enterre. Ah, c'est de la merde. D'accord, pardon. Ah, c'était sec comme réponse quand même. Ulysse, d'ivoire 10 10. Miguel, d'ivoire 1 Uno. Ok. D'ivoire 22, Miguel. Dos. Ok, Ulysse, d'ivoire 24. 24 Ulysse, d'ivoire 24, Miguel, tu dis 11 en même temps. 24, 11 et. Pourquoi tu veux qu'il dise des chiffres? Attends, mais ça arrête, sens tranquille. Tu vois quoi tu joues là? Ah, il est non, bizarre. Non, hein. Ulysse, désolé, ouais, mais ouais. Ah, il est bizarre. Ouais, ah, vraiment bizarre. On attend quoi là, Lorio? On attend Rada, il arrive avec les corps. Arrête de poser des questions, Ulysse. T'en es où? Sérieux toi? Pardon, Ulysse, pardon. Miguel, braque un flingue sur Ulysse. Non, il peut pas. Et pourquoi tu peux pas? Va me tuer. Non, plus tard, Mason. Arrête, s'il te plaît. On peut être sérieux là pendant l'enterrement ou pas? Ouais, s'il vous plaît, les gars. Non, vraiment, tu commences à être chiant là, Mason. Là. Ouais, tu commences à être chiant, cabron. Ouais, désolé. Je fais mon deuil comme je peux. Bon, les hermanos deux par le côté et on part en convoi. Y'a une corbillard à l'arrière. Tu veux y ramener? Ouais, j'aimerais bien. Attends, il va appeler mon père. Gracias. Mon père, le concessionnaire. Pardon. Je te laisse ouvrir le coffre. Allez, viens le poser avec moi. Ok. Tu fais rentrer, t'es prêt? Pousse 3, 2, 1. Okay. Hop là, voilà. Lorio, tu peux avoir les clés, por favor? Ouais, je vais te donner ça. Tiens, Miguel. Gracias. Miguel. Oui, hermano. Je te laisse pas faire de connerie. Lazaro, change-toi rapido, s'il te plaît. Juste là-bas. Non, après, on fera ce qu'on a à faire. Juste là-bas. Je te laisse, s'il te plaît, pas faire de connerie. Okay. Promesado. Ok, parfait. Oh, il pleut. On part maintenant. Rentrons, il pleut. Mais il y a une chauffeur qui passe devant nous. Moreno. Eh les mecs. Vas-y, cache. Il vient de se passer quoi là? J'avoue que j'ai pas compris. Je les revois, je les tire dessus. C'est ouais, là, vraiment. C'est... Allez les gars, on y va, Rada. Il manque Pablo. Il sera tout seul, sinon il y aura pas de coach. Non mais là c'est l'enterrement des deux, hein. C'est de Pisto et de. Et de Vertugo là. On garde les musiques tristes pour après. Au lago, dans les bails, dans les embrouilles, dans les trucs vénères. C'est nous, on se tue pour la vie. Ben non, frère. Hola, todos. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci d'être là. Oh! Si j'aurais préféré. J'ai oublié de vous dire un truc. On ne se voit pas dans ces conditions. Si vous êtes là, c'est que vous étiez des proches. Après la scène, je vous le dis. De Vertugo. Ou même de Pisto. Nos deux frères qui sont ici présents. Qui sont morts tragiquement. Après, t'inquiète. Excusez-moi. C-
C'était plus que des frères pour moi, c'était ma famille, c'était tout, c'était mes amis, mes confidents. Surtout toi, Vertugo, Jefe. Jolges, on en a vécu des choses ensemble. 25 années passées à tes côtés, 25 années. Des années de bonheur, des années de malheur. Des années où on a endurci des choses, toi et moi, qui aujourd'hui resteront gravées dans ma mémoire à jamais. Tu nous manqueras, mon frère. Tu nous manqueras, mon pote. Merci pour ce que tu as fait pour notre quartier. Merci pour ce que tu as fait pour nos vies. À tous. J'ai le cœur serré aujourd'hui à te dire ces mots-là. Courage, Glorio. Merci. Gracias. Visto. Mon frère, tu nous as connus dans les débuts, je t'ai vu naître. Je t'ai vu naître, mon pote. Et aujourd'hui, je te vois mourir. Santa Maria est avec vous. Que la Santa Maria accepte vos âmes. Et j'espère qu'elle sera fière de votre parcours dans ce bas monde. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. Amen. Si quelqu'un a un mot à dire. Pourquoi je suis devant? Ah merde, je suis seul qui est en ligne. N'hésitez pas, si quelqu'un a un mot à dire, allez. Louis, t'es. Non, je peux pas. Vraiment pas. Allez les gars, c'est le dernier mot qu'on peut leur dire. Rendez-leur cet honneur, allez. Ok. Vertugo. Pisto. Je vous aimais comme mes frères. Vous êtes morts, mais Los Vagos y survit. Vagos Locos. Vagos Locos. On va niquer les mecs qui vous entourent, les hermano. Pas de problème. Vous êtes pas morts en vain. Hasta la vista, hermano. Gracias, mon gars. De nada, mi amigo. Je vais dire mi amor. Pour ma part, j'ai quelques petits mots à dire. Bon, malheureusement, pour Pisto, je ne le connaissais pas plus spécialement, mais ça sera plus accordé à Vertugo. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas perdu qu'un proche, j'ai perdu un frère. Un frère qui m'a tendu la main quand j'en avais besoin. Mais jamais de la vie, Célib va venir là. Même si je jouais Célib, j'aurais pas parlé là. Je serais éternellement reconnaissant. C'était ouf, hein. Malheureusement, je misais pas. Il y a plein de random, moi je vais aller avec Ulysse. J'espère que de là où il est, on je vais dire oui, Vertugo, c'était mon frère. Vous êtes des baisers, hein. Gracias, mon ami. Avec Célib, là, je serais un peu loin, là, comme ça, en train de regarder. La piste ou à Vertugo. Qu'il s'avance maintenant. Très bien. J'aimerais juste dire un mot pour Hamid, qui a pas pu être là ce soir, malheureusement. Donc, je me porte garant pour lui de transmettre ses condoléances et qu'on est désolé pour Pisto et Vertugo. Agos Locos. Je tiens à dire un mot pour Vertugo et Pisto. On a vécu, on le connaît pas depuis très très longtemps, mais on a vécu de très bons moments. Pisto, c'était comme mon frère. On s'est mangé tous les deux une balle de sniper dans la jambe et aujourd'hui, la balle n'était pas dans la jambe. Putain, je suis à manquer, les Vertugo. C'était tout pour moi. Si personne n'a quelque chose d'autre à dire, on va faire descendre les corps tout doucement. Ils seront là, mais vous savez maintenant où est-ce qu'ils seront pour venir leur rendre visite. On ne les oubliera pas, ils ne disparaissent pas vraiment.
s'il y en a qui veulent m'aider. Attendez, hermano. Bartugo, il m'avait demandé quelque chose. Il m'avait dit à son enterrement, il avait une musique qu'il voulait qu'on chante. Vas-y, je te connais. Te promets, il rigole pas, hein. C'est pour de vrai, Lorio. Soy el fuego que a mi compien. Soy el agua que mata tu sed. El castillo a torre yo soy. La espada que madre terma. Suera te teres vino yo. El cata terma tenerma. La casa terra nahumar. Itamora. Chiamo. C'est trop dur. Et quoi? Si. Et toro tener mar. Oh. Et coño. Te pustio. Da catorirano. Est el tuyo. Et tuyo. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias, solo. C'était sa dernière volonté. Merci. Ça, je pourrais faire The Voice. J'étais heureuse, les gars. C'est parce que je connais pas bien les paroles. Si je connaissais bien les paroles, ça serait bien rendu. C'est juste pour ça. Merci. Allez, on y va tous ensemble. Hop, putain. Hop là. Merci encore une fois d'être. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Ouais, mais on va arrêter ça. Pas à tous. Et dans ce sympa, nous qu'on va l'arrêter. C'est. Oh, mais regardez. Ouais. Herbado, là-bas. Là-bas. Regardez. Tu vois. Là-bas. Si. Regardez. Lorio. C'est gars, rien du tout. Ouais. Regarde, y'a qui? Regarde. Les hermanos. Il est l'embrasure en mot. Putain, mais il est où? T'es un numéro 9 ou pas? Tu peux y aller, Wesley, vas-y, tu vois. Je crois que je l'ai, il y a moyen d'attendre. Appelle-le, dis-lui. Voilà. Si jamais il s'en va. Voilà, voilà. Parce qu'il faut qu'il se ramène. Merci d'être venu. C'est normal, tu sais. Ouais, parfois j'ai l'air un peu difficile comme ça, mais quand j'ai quelqu'un dans le cœur, les remarques. Il aurait été comme ça, Célib. Hein. Célib, il est comme ça actuellement. Il est là. Hein. Bien sûr. C'est pas facile. C'est dur un peu pour tout le monde. Mais on va faire avec, Seigneur. On va tous connaître. Très bien, très bien. Bon. Le périmètre a été quadrillé par les poyos. Beaucoup voilà. Apporté. Ouais. Va falloir s'enfuir discrètement, Daisy. Faites attention à vous. Bien. Bien, bien. Merci de l'information. Dans nos cœurs à jamais. J'opterai pour la stratégie de la séparation. Prenez tous une direction différente, ça va les perturber. Très bien. Gracias à vous. Merci encore une fois d'être venu. Gracias, Seigneur Emilio. Fait ça. Vous avez des informations? Les bikers. Qui? Los bikers y los balas. Merci à tous d'être venus à l'enterrement de Pisto et Vertugo. Seigneur, ce soir. Merci de nous aider dans notre deuil. Des et si vous avez quelque chose à dire ou même encore à dire, vous pouvez répéter, il n'y a aucun problème. Faites ce qu'il faut. Merci encore à tous. Paras muerto. Plaisir de vous revoir dans de meilleures conditions à tous. N'oubliez jamais. Bonne pour les mamans et la famille, c'est toujours difficile déjà de perdre. Hein. Alors n'accentuez pas les pertes, claro. Non, faites sûr. Ça propre. Bien hein. Sûr, on va faire ça propre. Je ne veux pas qu'on vienne pleurer encore chez moi à Caio Perico pour me dire qu'il y a. Encore des morts, hein? Non, il n'y aura pas de mort. Ne t'inquiète pas. Non, il n'y aura pas de mort, Emilio. T'inquiète pas, Emilio. Et tout, toi? Ah, c'est le petit jeune, là. Oui. Quoi? Ah, tu m'as reconnu avec mes lunettes. Ah. Ouais, je te reconnais avec ta chaîne. Ah, tu m'as reconnu avec ma chaîne. C'est. D'accord. Et tes tatouages.
Et mes tatouages, d'accord, d'accord, Emilio, d'accord. C'est bien, Emilio. Apparemment, il y a les poyos qui cadrent. Tu montres l'exemple, Emilio, ouais. C'est bien. Tu veux qu'on aille chercher les véhicules, on les met en bas là, d'accord. Et on se rejoint là-bas. Emilio, c'est ici et on va chercher. On va chercher les véhicules, on les met en bas. Emilio, il y aura pas de mort, t'inquiète pas. Très bien, très bien. Perfect. On va tuer personne. Emilio, dis-moi. Moi, moi vivant, personne ne meurt. C'est bien, c'est pour ça que je sais que t'étais un bon recruteur. Oui, oui. T'es là pour tirer le groupe vers l'eau. Moi, je suis là pour éviter les morts. Je suis là pour corriger les problèmes. Je fais en sorte que le groupe de Los Vagos il se comporte bien. Je suis perfect. Tu crois 100% toi, vraiment. Oui, non, t'inquiète pas. Depuis que je suis là, Los Vagos il se passe beaucoup mieux. Et... Lorio, Lorio. Viens voir, por favor. Tu peux confirmer ce que je dis à Emilio. Ok. Attends, mon ami dit qu'il te fait pas confiance. Attends. Ah bon? Eh oui. Lorio, il a dit à Emilio que depuis qu'il était là, Lorio. c'était bien plus calme. Hein, ouais, dis-moi. Et qu'il a tué personne, c'est vrai? Hein, Lorio, c'est vrai. C'est pas faux, effectivement. C'est la merde, hein, c'est pour moi. J'espère que vous mentez pas. Hein. Ils suivent là depuis tout à l'heure, c'est pour moi. Ok, très bien. Récupérez ton reconnaudas. Voilà, en bas. Ouais, là, voilà, ils sont bien. Mais pourquoi tu t'es pas camouflé, cabron? On va courir vers vous. À mon top, on va courir vers vous. Vous ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Il y a Mason et moi et Miguel. On va monter dans un véhicule. Directement. Je viens de cadrer tout le cimetière tout à l'heure. Me suivre. Ok, tu vas monter dans ma coche magique. Allez, on va aller. Ciao, amigo. Bon, Emilio. Parfait. Ok, on va partir. On va marcher discrètement. On va marcher discrètement et on va commencer à mourir au niveau du poteau. Je suis à deux doigts de déguerpir là pour le coup. Oui, oui, on va partir par en bas. On va marcher discrètement. On y va. Ils sont déjà tous en bas. Ouais, c'est bien. C'est bien, à mon avis, c'était une bonne idée de mettre en même temps Mason et Miguel. On arrive. Il y en a un qui suit derrière. Ok, commence à courir. Allez, Miguel. On court. Ton destin m'a coaché, à moi. Non, toi, laisse-la. Non, m'a coaché. On va aller en prison. On n'avait pas les clés. Oh, cabron. Et m'a coaché, non, il doit la récupérer. On doit aller chercher ta voiture. Oui, on doit aller chercher ma coaché. Lorio. Merde. Lorio. Changé ou pas, Lorio? Je vais récupérer ma coche. Le parking, hermano. Allez où ta coche? Sur le parking. Ok, va la récupérer tout seul toi. Moi aussi, il y a la mienne sur le parking. Non, d'accord, Lorio. On se rejoint quartier, on se rejoint quartier. Mais où tu vas, cabron? Tu vas où? Qui nous suit, hein? Mais t'es bête ou quoi, cabron? Là, hermano, là. Ici. Venez pas barrer au playa, bien sûr. Okay. Moi au moins ils m'ont pas connu. S'il y a pas Mason, laissez-vous arrêter. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Lorio, d'onde est-ce Lorio? Il y a la voiture juste derrière. Hop là, je vais passer à Miguel. Ok, la coche del SWAT est à los bingos. Non, partez, bingos de la playa. Partez. On a bougé, non? D'onde est-ce Mason? Lorio, bombardier. Ça tire. Ils arrivent sur vous. C'est nous, on a tiré. T'inquiète pas. Ils arrivent sur vous, hein. Vas-y. Barrio Playa, les Poyos, bon. Ils ont fait demi-tour sur vous. Poyos sont au Barrio Playa. Bloque les exemplars. Ok. Bloque les. Mason, d'onde est-ce Mason? Je suis avec Lorio là. Oh, où cabron, où? Le Barrio Plage là. Barrio Plage. À côté du magasin de masques. Ok, y a los Suates avec le 4x4 à Bingo Playa. Mettez-vous tranquille. Mason, tu restes au Barrio? Ah, il vous voit, je crois. Alors, tu es dans quelle voiture? Dans quelle voiture? J'ai une berline noire. Où est Lorio exactement? Marina, c'est la sortie de la Marina bon, là. C'est bon. Là, on remonte vers le Bingo Playa. Ah, ok, je te vois. On en fait quoi de la décoche? On a une voiture de merde,
Ne les frappez pas. Oh non, mais pourquoi vous la faites? Vous avez frappé la voiture? Excusez-moi. Ouais, j'ai pas fait exprès. Hermano, je peux pas, il est blessé. Hermano, séparé là. Hé, hermano. Excusez-moi, mes collègues ils sont blessés là, attendez, monsieur. Mais quoi? Wesh. Lorio, t'es encore suivi? C'est bon, y'a plus personne derrière nous. D'accord. Ça va les hermano? Ouais, ça va à non, moitié. Ça va, non, ça va très mal même. Qu'est-ce qui passe? Bah, on nous a rentré dedans. Oh, hermano. Un arbre, carrément. Oh, mais je suis coupé, t'as pas un médecin. Oh non, ça fait chier ça, hermano. Autour de moi avec l'exemplaire, bougez. Ceux qui ont pas de côté de poser sur eux, changez de côté. Appelle un médecin, allez au barrio. Vous voulez qu'il appelle au nous MS? Prenez des coachs de civils, braquez des retraités, faites ce que vous voulez, mais. Hermano! Là, ils vont voir du jaune, ils vont pas hésiter. Hein. Vous voulez qu'il appelle au nous MS? Non, ça va, nickel, je vous remercie, on va appeler ça, parfait. Merci, vous étiez en train d'arrêter un criminel? Ouais, tu veux qu'on te récupère, Miguel? Vous arrêtez qui? On vient de passer à côté de toi, là. Je sais pas, une voiture qui a été carjackée, un fou, il a tiré sur une femme et il a volé une voiture. Oui, bien devant nous et. Oui. On l'a poursuivi. Ah, pourquoi vous nous suivez depuis le cimetière alors? Non, pour le cimetière, on était nous au cimetière parce qu'on voulait assurer la sécurité, comme j'ai dit à vos copains. Et pourquoi alors. Vous nous avez suivis alors? On suivi de quoi? Quand on est parti par en bas, vous nous avez suivis, tu parlais à la radio, t'es parti en courant quand nous on a couru. Ah, mon bras, il me fait tellement mal. Ah, tu as mal au bras, hein, cabron de merde. Ah. Eh ouais, cabron. Je vois tout. Miguel. Oui, hermano. T'es pas là volontairement, on a fait une table de guerre. Une table de guerre? C'est ce qui se passe avant qu'on parte à la guerre là, à chaque fois. D'accord. Prépare-toi à aller à la guerre contre les balas ce soir. Hermano, depuis que je suis né, je suis prêt. Perfecto alors. Prépare-toi et quand l'Orio revient, il va nous parler et on va y aller. Hein. D'accord. La guerre! La guerre! La guerre! La guerre! La guerre! Oui, la guerre! La guerre! Voilà, hermano, vous êtes chaud! Je dois me soutenir tout seul tellement personne me suit! C'est con de merde là! Par contre, Mason, je crois que t'as. Enfin, même toi, Miguel, vous avez vraiment eu chaud là. Non, mais Mason, Benga, tu vas te camoufler un petit peu parce que là, c'est n'importe quoi. Là, c'est normal que les gens ils te reconnaissent. Non, c'est normal. Non, mais quoi, tu crois que tu mets une casquette et des lunettes? Tu crois, ça y est, les gens ils te reconnaissent plus? Va te faire foutre, cabron. Je te jure, maintenant, Miguel, que ce n'est pas normal. Non. Moi, je te reconnais. Moi, je dis la vérité, je te vois. Parce que tu me connais, mais parce que. Et alors, eux aussi, ils te reconnaissent. J'avais pas cette barbe avant, j'ai laissé pousser la barbe. Mais non, c'est le fils de pute derrière, c'est le SWAT. Et ils connaissent ta voiture. Oh merde. Il tourne, non? Attends, non, il ralentit par contre. Attends, il va les berner. Regarde. Là, il pense qu'on va tourner là-bas. Et alors qu'en fait, on va là-bas. Non, je te jure, Miguel, tu peux pas leur donner raison là. Si, je peux, je te promets, parce que regarde, tu avais une boucle, et là maintenant tu as une barbe, tu crois que c'est suffisant? Ok. Mais je prends mon temps, ça pousse pas en 10 minutes. Bah oui, bah tu vas mettre une fausse barbe. Non, mais c'est comme c'est ça. Ce que je fais déjà, mais même en faisant ça, des fois ça marche. Non, tu vas. Normalement, tu vas chez le coiffeur, tu fais une vraie coupe, rien à voir, tu vois la barbe, tu fais une vraie barbe, rien à voir, et après. Tu mets des habits qui n'ont rien à voir avec toi. D'accord, ces habits n'ont rien à voir avec toi. Il y a une voiture de SWAT qui arrive au barrio. Arrête de mentir, cabron. De non, c'est la première fois que je suis chez lui. C'est bon, il est sécurisé. Il est dans la coachée magique. Vous êtes où? On est au magasin de vêtements à côté de la playa. Ok. Venez pas. Il y avait le camouflé un poquito parce que ce cabron de merde, il pense qu'il a laissé pousser sa barbe, ça suffit. Ok, ouais. De passer. Allez, Benga. Ok, parfait. On bouge tous là-bas. On va. Comment ça s'appelle? Je vais aller au motel. Vous me rejoignez là-bas quand vous êtes prêts. Toi, tu joues gare avec le feu et après, tu te plains. Tu dis oh, los policias, ils font des raccourcis. Mais je ne me plains pas. Si, cabron. Ouah, t'as un sacré menteur là par contre. Hein. Je te jure que tu as un sacré menteur parce que je me plains pas. Mais si, tu dis c'est pas normal qu'ils me reconnaissent. Non, parce que toi tu me dis que c'est normal qu'ils me reconnaissent, moi je m'en fous, mais moi, je te dis que c'est pas normal. Moi je suis flic, là comme ça, je te reconnais, je te rue. Regarde, je vais mettre ça, et je t'assure, je ne bougerai pas. Voilà, mets-toi une grosse barbe de clochard. Ok, et maintenant enlève la casquette. Ah non, pas mes cheveux par contre. Pourquoi? Y'a pas de coupe de cheveux qui... Ok, viens, ouais, Benga, mets des lunettes de putos, mais pas des lunettes comme ça, mets des lunettes extravagantes. Eh oui, c'est comme ça là.
Toi, tu n'es pas une pro de la... De la... Non, maintenant, oui, il change la couleur. Attends, mets des lunettes de vue, de vous, des lunettes de vous. Ça, ça passe, hein. Non, 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 reviens. Encore, ah, là, reviens. Encore. Encore un coup. Là, parfait, et change le coloris. Y a pas de coloris. Si, si, y'a. Là, comme ça. Voilà. Ça, voilà. Parfait, et viens, viens. Allo, chapos. Toi, tu n'es pas... Regarde, moi, il peut pas me reconnaître. Tu vois. Il voit pas... Ce qui me faisait que je me faisais reconnaître, c'était mon visage et mes cheveux. Et j'ai camouflé mon visage et mes cheveux. Et là, ils me reconnaissent plus. Mets un chapeau, là, comme un chapeau de vieux. Des fois, il faut faire concession de son flow. Non, le béret, en fait, le béret, ça se reconnaît. Un truc que tu n'as jamais mis. Non, un bob, pas un bob. Mais un vrai chapeau, là, comme ça, voilà. Un chapeau comme ça. Pour de vrai. Venez tous, je vais ramener un boire au barrio. Des fois, il faut savoir être moche pour ne pas se faire reconnaître. D'accord, c'est ce que je fais. Là, comme ça, le chapeau. Voilà. Non, bah non, bah non, pas un truc. Non, pas une bob, pas une bob, pas une bob. Un chapeau, voilà, comme ça, mais d'une autre couleur. Là, en vert, c'était bien en vert. En kaki. Je suis sûr qu'on va trouver un truc en noir. Là, comme ça. Voilà, ça. Non, pas ça, non, pas ça, pas ça. Il pète sa mère, je ne mets jamais ce truc là. Pas ça, pas ça. Tu m'écoutes. Non, non, non. À partir du moment où ça te plaît, ça veut dire que c'est pas bon. Non, Miguel. Tout me plaît, mais tout me plaît. Non, c'est moi, Miguel. Mason. Mais le chapeau que je t'ai dit, il avait pété un câble, hein. Il avait tatoué. Je sais pas c'était quel chapeau que tu me disais. C'était. Va doucement, va doucement, va doucement. Là. Non. Encore. Encore. Là, comme ça. Voilà, parfait. Allez. Prends-le. En bleu. Oui. Peu importe, on s'en bat les couilles, cabron. T'es là pour baiser des meufs ou t'es là pour parler en prison, hijo de puto. Il avait pété un câble. Mets le yapo. Mets le yapo. Bien sûr. Et mets los lunetas. Maintenant, cabron de merde. Suis, chef. Cabron de merde. Et remets ton chapeau dans la voiture. Il faut que tu prennes le réflexe. Prends le réflexe. Deux secondes. Voilà. Attends, deux secondes. Je règle un truc. Toujours. Toujours tu remets le chapeau. On va faire la guerre. Effectivement. Réfé, il n'y a pas avoir une calibrée 50. J'ai pas entendu. Il n'y a pas avoir une 50 calibrée. J'ai pas de calibre 50. Tu n'as pas? Ah, cabron. Non. On va perdre la guerre. Je vais appeler parce que je voulais... Si, c'est bien. Je vais en acheter un. Je vais voir s'il peut. D'accord. Pourquoi tu n'as pas demandé à Emilio quand il était là, cabron? De quoi? Lui demander quoi? Je lui dis salut, il m'a mis un vent. Non, pas toi. Allô? Salim? Ouais. Salim, parce que t'en as pas vendu des calibres 50, toi, non? Non, je t'en ai pas vendu. Non, mais t'en as pas vendu, t'en restes encore, je veux dire. Ouais. Je pourrais en avoir deux, tu penses ou pas? Ok, mais pourquoi t'as pas demandé à Emilio tout à l'heure quand tu lui parlais? Bah, parce que je vais pas lui demander à lui directement, il va me dire tu veux quoi? Bah, t'aurais pu tenter? Ouais, mais pour deux calibres 50, il va me dire le matin, tu me prends pour une merde ou quoi? C'est le MS13. Ouais, c'est vrai. T'en veux deux là maintenant? Lazaro, ouais, si t'arrives possible, ou pas? Ouais, tu me les fais à combien du coup? Comme ça, je vais le tirer. 100. Vas-y, ça marche. 100 chacun. Ouais, c'est bon. Vas-y. La guerre! Tu vas te battre en costume. Tu m'accompagnes pas, Miguel? Non. si, accompagne-moi, s'il te plaît. D'accord. C'est un ordre d'ailleurs, ouais. C'est... En plus, c'est même pas une question. Juste, Miguel, s'il te plaît, tu pourras mettre autre chose qu'un costume pour te battre, Hermano? Oui, d'accord, je pourrais. Ouais, on est au motel, on est au motel. C'est mon supérieur, lui? Non, là, vous êtes tous égaux. Moi, je suis quoi? Moi, je suis une pequeño? Pequeño comme eux. Y'a que Guerrero, Segundo. Ok, vas-y, je suis. Et Radamel, capitaine. Donc, c'est pas mon supérieur? Donc il encule, si il veut rester en costard, bah, il reste en costard. Si tu veux rester en costard, enfin voilà, reste en costard. D'accord. Tu as toujours l'Iban du gars là. Y'a pas l'historique? Ça existe pas l'historique? Je crois pas. Hein. Ah. Non, y'a pas. D'accord. Oui, y'a les. Ok. 2, 2, 9, 6, 7, 2, 4, 9, 0, 2, 2, 4, 4, 5. 1, 5, 9, 4. D'accord. Attends, il veut voir. Ah, okay. Il croit qu'il l'a laissé dans la poubelle. Attends. Tango. Ah, non, t'as donné un. Ah oui, mais il y en a. Ah, une... tu m'as donné. Ok. Ah oui, il t'a donné mon ancien. Et attends, il a pas donné deux boîtes de munitions avec comme il fait d'habitude. Si, il a donné. Okay. Oh, j'ai pas entendu. Tu peux me donner. Motel. Et on a des gilets pare-balles? Non, ça on a pas. Ça. On a pas? Pour qui on a pas? On peut sniffer un rice si tu veux, ça te la force, tu vois. Ouais, mais moi j'aime pas trop prendre la cocaïne. Eh ouais, mais il faut. Un petit ride. Bah pourquoi on a pas de gilet pare? Bah parce que j'en achète pas, je sais même pas où en acheter d'ailleurs. Bah t'as qu'en acheter, cabron. Mais tu veux que j'en achète où? Au magasin? Je dis bonjour, je veux un gilet pare-balles. Ben il demande à Emilio, cabron. Tu veux que je le mien? Faudrait que je lui demande d'ailleurs, c'est vrai. Attends, l'Orient? Ouais. Le steak là-bas, là, il venait avec nous? Qui le steak? Un gars. Non. Lui là. Bah voilà, ouais, bah je l'ai bougé. T'es où, Radam?
Tiens. 5 minutes les refs. Ah non, j'ai pas. J'ai ouais, pourquoi tu demandes pas à Emilio? Emilio, c'est le chef du MS-13, il a tout ce que tu veux. J'ai même pas son numéro à Emilio. T'as l'air, tu l'as vu, t'as fait la ouais. Putasse. Mais non, mais parce que j'étais perturbé, je voulais entrer. Pourquoi tu me remets pas en place là? Il va t'intéresser de putasse, cabron. Allez, affirme-toi. Écoute-moi, les émotions m'ont dépassé. Affirme-toi, Lorio. Aujourd'hui, je t'ai même pas traité de fils de pute pour une fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Lazaro non plus, tu l'as pas insulté. Même Lazaro, je l'ai même pas insulté. Aujourd'hui, les gars, je suis dans un monde parallèle. Ok, mais tu peux mettre un saco, te passer les balles. Non, il t'est pas donné, hermano, tout est plein. Qui c'est qui veut le Glock? J'en ai un, moi, déjà. Qui c'est qui veut le Glock? Moi. Je peux le prendre. Ouais, t'as pas d'arme, Lazaro? Donne à Lazaro, donne à Lazaro. Il y avait un méchant jar. Qui doit donner la coque. Tu mets du vert, tu vois. Là, tu vois, tu me fais plaisir. Ah, eh oui, là, mais hermano. Plus de flow, là, aussi. Il va mourir en premier, mais c'est pas grave. Mais il est beau, wesh. Eh ouais, il est beau. Il est vraiment bien, là. Je suis grave jaloux, en vrai. Il va mourir en premier, par contre. Parce que moi, là, ça veut dire tirez-moi dessus, hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Vous avez assez de munitions? Oh, comme ça, il est bien. Ouais, non, pas ça. Trop, moi. T'en as combien? Moi, j'aime bien comme 60, ça. T'en as assez? T'en as combien, toi? 30, moi. Moi, ouais, yes, qu'il faut, yes, qu'il faut. En plus. Non, ça rendait trop bien. Non, mais y a de la coque, tout jeune. En tout jeune, ça rendait trop bien. Il faut que je sois plus kéké. Là, ça faisait beau, tu vois, quand tu étais en tout jeune. C'est bon. Oh, j'en ai d'autres, ça faisait. Ça rendait bien, tu vois ce que je veux dire, Kaden, il a pas d'arme. Kaden, il a pas d'arme. Hein. Là, au moins, ça fait moche. Mais ça y est, là, on est au complet. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, les gars. Bah, il m'a appelé, il m'a dit attends, demain, j'arrive, c'est pour ça. Non, là, on est au complet. Là. Je vais mourir. On les appelle directement, on va voir si. Non, on les cherche, cabron. Ah, l'effet de surprise. En fait, le truc, c'est quoi? Écoute, Miguel, viens là, je t'explique un truc. J'ai pas envie de faire un carnage dans le centre-ville avec les Poyos, tu vois? Et le FBI en ce moment qui cherche en plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, il voit. Ça va faire un carnage, il y a le SWAT qui tourne et on est dans la mer. Qui a à boire? Mason, il est dans la mer. Prends dans le burrito, il y a tout là. Tout. Moi, je reste sur le côté. Je reste en arrière, s'il faut vous aider, je vous aide comme j'ai fait pour l'automatique qui était en train de vous tirer dessus, mais je prendrai pas part. Ok. Ah, tu te mouilles pas pour nous. Nous, on se mouille pour toi, cabron, et toi, tu te mouilles pas pour nous, okay, hein. Regarde, j'ai un revolver, mon revolver. Fais le sniper, fais le sniper. D'accord, non mais d'accord, nous quand il faut te sauver, on t'aide cabron de merde. Et quand c'est l'inverse, Miguel, quand il faut nous tendre la main. Hier c'est celui qu'on a couché le plus. Hier c'est celui qu'on a couché le plus. Ouais mais là il veut pas se mouiller ce cabron de merde. Il a couché l'automatique pendant 4 tirs. Y'en a rien à foutre qui a couché le plus. T'aurais pu mourir sale fils de pute, je t'ai sauvé. Sale fils de quoi cabron? Sale fils de pute. Ok, attends, il a fini de boire. Quelqu'un a pris ma voiture, Mario? Répétasse! Répétasse! Parce que j'ai l'impression que les nerfs sont tendus là! Répétasse! J'ai dit. Vas-y! Sale. Fils. De. Vas-y! Répétasse! T'es sûr à combien de pourcents? Non, tirez pas! Mais à 100%! À 100%! Moi, je suis aussi sûr de tirer! Regarde! À 100%! Et tu te relèves pas d'une balle dans la tête, cabron, hein? Ah, je me relèverai pas! Ah non, tu es mort! Une balle dans la tête, ça tout! Et moi alors, si je te tire dessus, tu vas te relever? Moi, il y a une gilet pare-balles et des lunettes pare-balles. Bah, c'est trop. Eh ouais, cabron. C'est vrai, j'ai pas mis mes lunettes, moi aussi. Mais je savais pas. Mes lunettes, insta un titan. Oui. Et oui, c'est vrai. Petites lunettes. C'est vrai. Perfect. Regarde, tire-moi dans la tête. Non, les poyos, ils vont venir. Oh merde, aïe. Ok, attends. Faut qu'on bouge, hein, les poyos, ils vont venir. Il était pas prêt. Ah, c'est ça sa coupe de base. Tu rejoins les barrios plages. Non, c'est parce qu'il y a pas mes dreadlocks. Ok, attends. Tu veux que je reteste? Attends. Ah, y'a les Poyos. Grimpe avec moi, Mason. Bien acquis, bien acquis. Attends, j'arrive. Ok, nous on part par l'autre côté. Vas-y. Faut qu'on arrête de se disputer, Miguel. Toi, ta gueule, cabron. Ta gueule, cabron. Faisons l'amour, pas la guerre. C'est qui lui? Ah, il sait pas. Je crois que c'était Lorio. Je suis pas sûr. Lorio, c'est toi en moto ou pas? Vous m'avez vraiment laissé tout seul là? Ok, bah. Tu vois cette moto? Ah oui, regarde derrière. Je suis au motel. Reviens là où t'as vu la coachée. Je suis là. Clé, ça nous prend en chasse, vraiment. On est dans la merde, vraiment. Ça nous a encerclé et tout. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on a tiré. T'as vu, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il est pouillé sur motel? Et pourquoi il se déplace autant pour un coup de feu? Parce qu'ils ont voulu essayer en fait, je pense qu'ils nous attendaient parce que là, il y a vraiment 4 voitures qui sont sorties de derrière. Ah, on est poursuivis. Ils savaient qu'on était là. On est poursuivis. Qui se fait poursuivre? Bah nous.
Non, non, on est pas poursuivi. Ah si, il nous prend celui-là. Hein. Ah, attends. Une voiture qui se fait poursuivre. Ouais. On est trois dedans. Qu'est-ce qu'il y a, cabron? C'est sûr, il en sortait? C'est sûr? Mason, t'es pas avec eux? C'est sûr. Et quoi, tu vas m'arrêter parce qu'il sortait dans le motel là où il habitait, cabron? C'est pour ça que tu m'arrêtes? Et monsieur, sortez du véhicule. Non, il sort pas. Vous sortez d'un endroit où un homme a été abattu, vu par nos agents. T'as à moi de sortir du véhicule, les mains en l'air. Oh putain, il parle de moi, c'est moi qui me suis fait abattre. Ouais, vous êtes tous désarmés, vous êtes où là? On sort l'excuse ou pas? Attends, en vrai, on peut tenter un truc, hein. On peut tenter un move. Ok, regardez, en fait, je vous explique. Je vous explique parce qu'on va vous dire la vérité. On avait un pistolet, il avait des lunettes en titan. Il m'a dit, sauf qu'elles marchaient pas, les lunettes. Tu me tires dessus, tu verras qu'elles vont résister. Elles ont pas marché parce qu'on a mal fait fonctionner le mode d'emploi. Et du coup, ça a tiré. Donc, désolé si ça vous a eu un désaccord. Regardez, il y a pas de corps. Ok. Vous voulez regarder la pack de balles sur les lunettes? Bahamas, derrière le Bahamas. Non, ça va aller, ça va aller. Ok, pas de problème. Bah, du coup, bonne soirée, messieurs les agents. Attends, mais oui, mais messieurs les agents, vous pourrez dire à vos collègues aussi, expliquer l'histoire, parce que sinon ça va faire des proportions. Je vais faire ça en radio. Gracias, mi hermano, gracias. T'as vu, la vérité, ça paye. C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est fou quand même. Ça fait une belle leçon de vie. Non, mais donnez vos pauses. Bon, c'est bon, on leur a dit la vérité, ils vont partir, normalement ils vont vous lâcher. Moralité, non, encore du monde, hein. Toujours dire la vérité, ça évitera les problèmes. Bon. Regarde la coche. C'est un coche de hijo de puta de merde. Viens, on les vole. Ouais, bah, ouais, c'est nous. Ta bagnole ou pas? Ouais, c'est nous. Ok, non. Touche pas à cette bagnole, c'est pour tonton. Sinon, pour qui, tonton? Bonjour, ça va ou quoi? Hola, hermano, tu vas bien? Hola, ça va bien, ça va bien. Ok, il vient te voler ta voiture, d'accord? Non, s'il te plaît. Si, il vient te la voler. Voiture, j'en peux plus. Non, ça, mais... ça fait 3 heures, je me trimballe avec, s'il te plaît, laisse la. 3 heures, ça y est, t'as bien profité, cabron de merde. Non, c'est pour tonton, c'est un cadeau. On veut l'offrir à tonton, on veut l'offrir. Mais il m'en fout, moi, il veut te la voler, c'est une vagos locos. Mais on est des poteaux de vagos. Non, c'est pas ça. On vole pas des poteaux de vagos. Ah putain, hermano. Tu es le petit. Tu es le pequeño de Vertugo. Yes. Comment ça, yes? On est les pecs. Hein? T'as dit quoi, cabron? On est les pequeños de Vertugo. Claro que si. Claro que si. Tu l'as eu ou t'as coaché? Je te dis pas si je te dis. Si, je vais le dire à tout le monde. Non, bah je te dis pas. Bah vas-y, dis-moi. Ok. Dis-moi où il t'a tué. Ah, ouais, cabron. Je l'ai eu. Au casino. Au casino? Au casino et je l'ai eu. T'as gagné au casino? Ouais. Oh cabron. Et en fait, tonton, il y a un mec qui lui avait explosé sa voiture. Mm-hmm. C'était une RS. Mm-hmm. Et bah du coup, on a fait ça pour lui et là, on va lui ramener. Ouais. On lui attend juste qu'il se lève. Ah, c'est le gros rare. Oui, oh. Le gros rare. Non, c'est tonton, en fait, c'est en train de me faire de la paix. T'es un monstre. Pourquoi? Ça se voit, ils sont contents, ils sont heureux de leur. Bah oui, c'est pour ça. En fait, t'as vu, ça se voit, ils ont passé du temps pour voler cette voiture. Mais j'en peux plus, ou la gagner, ou je sais pas. Ça, ils galèrent et toi, tu te pointes comme un bâtard et tu leur prends. Genre, c'est ça. S'il te plaît, j'en peux plus de cette voiture. Laisse-moi juste finir ce que j'ai à faire et l'offrir à ton tonton. Wesley, regarde ce qu'il dit. Miguel, pense à toi quand t'étais nouveau, toi aussi. Imagine tout ça. Ouais, c'est pour ça. Hé, toi, jaune, s'il te plaît, tu peux mettre un coup de pression policier. S'il te plaît. Non, je suis recherché, hermano. Dégage avec ta caisse si tu veux dégager maintenant, il va te poursuivre. Oh, par. Dans la RSI, s'il vous plaît. C'est moi. Pourquoi il est recherché? On a volé la voiture en fait. C'était une voiture. Ah, tout m'a menti, cabron. Ah ouais, bah du coup, ouais, tu l'as vraiment pas gagné au casino. Non, j'ai pas gagné au casino. Benga. Tu peux m'aider, toi, est-ce que tu peux. Non, il peut pas t'aider. Je sais pas, Benga, on va voir. Vas-y. Elle vaut combien la voiture? Cher, hein. Elle vaut 3 millions en enchères. 3 millions! Non, mais c'est pour tonton, s'il te plaît, ne la vole pas! 3 millions! Regarde, non, attends, moi je sais couper la poire en deux. Non, y'a pas de regarde, Wesley. On t'aide à récupérer cette voiture. Quand tu la redonnes à tonton et qu'il te donne les 3 millions, tu nous donnes une part. Mais il va pas me donner de l'argent, je vais juste lui faire un cadeau. Regarde, il. Oh putain. Oh, il a la VR, il est mort. Il conduit bien ou pas? Je crois pas, hein. S'il te plaît, aide-le. On a trop galéré. Ça fait 3 heures. Ok, mais il veut la moitié. Ça, on verra plus tard. Non, il veut la moitié ou il était pas. Là, Wesley, dis-toi, c'est ça le business là. Ah, c'est soit tu dis oui, soit tu dis non. Si tu dis non, on se pète nous, mais si tu dis oui. Alors, Wesley, vas-y, la putas. Non, tu me dis oui, la moitié. Jaune, vous allez être les premiers à vous faire niquer. La moitié. La moitié? Donde est-ce la moitié?
La moitié. La moitié. La moitié. La moitié, tu veux dire. Ouais, la moitié, ouais. Hein? La moitié, ouais. Attends, tu veux me baiser? Non. Si, si, il veut me baiser. Mais Mason. Tête à baiser. Oui. Attends, tu veux me baiser? Vraiment, il y a un noir, t'inquiète pas. S'il te plaît. Y'a quoi, Bigwell? J'ai galéré. Il a dit la moitié, il a pas dit la moitié. Est-ce que t'as douille? Est-ce que comme la vie de ma merde? Voltugo, c'était ton ami? Oui, c'était mon réfé. Eh bah, fais ça pour lui, s'il te plaît. Dis-moi. Il en a rien à foutre de nous dire, Voltugo. S'il te plaît. On est en radio. Il y avait 1 million. Oh, Mani, c'est la merde. Zach, il est en course poursuite. Il est en train de se faire poursuivre là, je suis avec un mec du Barrio et Miguel. Avec le M. Miguel. Non, on est en course poursuite là. Miguel, raconte. On est avec Miguel. Raconte. Miguel, on va tout rater là, je tiens à te le préciser. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il peut pas, on doit y aller. Tiens, vole la coachée là, vole la coachée là. Regarde, tu vas en conseil, tu veux faire mieux que nous dit, tu vas dans les concessionnaires et tout, tu vas arnaquer des gens. Voilà ton truc. Hermano, on doit tuer Los Balas. On doit tuer Los Balas. Désolé, Hermano. Wesley va arnaquer des gens, va les niquer. Ça me fait de la peine, t'es un monstre. Donde est Los Vagos? T'es un monstre. Tourne chacun séparé. Et dès qu'il y en a un qui voit, on donne encore radio. Mais non, ils sont pas un monstre. Arrêtard. Ils étaient en train de se changer, ils étaient tout contents de leur truc. Non. Arrêtard, mais pourquoi ils se changent au magasin de vêtements là où il y a le plus de poils qui tournent aussi, cabron de merde? Mais parce qu'ils sont cons. Bah oui, ils sont cogno. Non, t'es un monstre. Non, va te faire un curado, espèce de suceur. Ça... Non, mais ta voix, elle m'a vraiment fait de la peine. Oh non, s'il te plaît, me vole pas la voiture. Tu l'as entendu ou pas? Non, s'il te plaît, me vole bah pas oui, la voiture. Bah oui, mais c'est une belle voiture, hein. Bon, on va tuer les balas. Allez, on y va. Hola, hermana. Salut. Tu peux lever la manos, par favor, et venir avec nous. Les mecs avec moi. Désolé, il y a que de cheval, il va falloir que tu bouges. Allez, par favor, andale, par favor. Allez, grimpar. Vous êtes combien dans la grimpar, dépêche-toi. On est trois, y'a Rada. Ok, bah c'est bon là. Grimpar! Laza et moi. Grimpar! Vous avez la coiffeuse? Et parqué dans le coffre! Non, à l'arrière, non. Descends! Ouais. Dans le coffre! C'est qui tu veux? À l'arrière! Allez, venga! Ah. Ciao mec! Oula, calmez-vous! Tu as un téléphone? Ouais. Ok, on a une hija. Ça va madame? Oh. On a Alvarez! Ouais, ça va. Non, ça c'est plus. Je m'appelle pas Alvarez. C'est le flic qui est mort. Oui, non, c'est Alvarez la baras. Vous l'emmenez où? On les a tous trouvés, on sait où ils sont. Ils sont à côté de leur supérette là. Le LTD, bah on y est là au LTD. Vous êtes où? Je vous vois pas. Où est notre otage? Je te jure, j'ai vraiment peur qu'il tire. On est à côté du LTD. Il va tirer, je le sens qu'il va tirer. Je vous vois pas, Miguel. Regarde, il est en train de. On est derrière le LTD, cabron. T'envoies une pause. Non, mais ouais, je on vois, a vu, vous. On a vu, on a vu. Vous allez pas vous mettre là-bas, dégagez-vous. Mais on en fait quoi de la balas? Bon, on en fait quoi d'Alvarez? Mais arrête de dire ça. Tu t'appelles comment? Vous avez vu devant le coiffeur? Devant, il y a une voiture tout seul. À droite, elle a passé. Elle est tournée à droite. C'est pas Alvarez. Mais si, c'est Alvarez. Non, elle est passée devant notre barrio. Si, c'est Alvarez. Vous avez vu, c'est ça votre problème, monsieur? Oui, moi, tu es Alvarez. Après, il y a les autres, je sais pas. Yo, on m'a dit qu'elle était morte celle-là, je ne reçois plus de cops. Ah, y'a quoi? Oh. Elle est morte. Tu l'as pas emprunté ta voiture? Si, mais je cherche une amie qui. Ah, tu l'as emprunté, ok. Descendez. Attends, si on prend sa voiture, on peut se faire passer pour des balas. C'est clairement l'heure parce que c'est leur voiture. Non, ça peut ça, Mermesson, ça peut ça. Oh punaise, il me cherche l'info. On peut se faire passer pour eux? Mais ma mère en voiture. J'ai hésité à mettre ma voiture en violet aussi. Ouais, je l'ai. Mais moi, j'aime pas faire des convois comme ça, c'est suivre à 4, c'est moche. Par favor, arrêtez de faire des convois, par favor. Par favor. Los Bayas, j'ai le droit de mettre de l'essence ici ou pas? Non, il peut pas. Je vais te retourner, fils de chien. D'accord, pardon. On a Alvarez en otage. On a ta coiffeuse en otage. Si tu dis, tu vas la tuer. Je tirerai pas à ta place! Yo, arrêtez! J'ai peur, d'accord? Et c'est quoi Alvarez? Comment tu t'appelles? C'est Fadjo! Fadjo! D'accord, Fadjo! Yo, tu sais même pas le dire! Fadjo! D'accord, Falvarez! D'accord, Fatou! C'est Fadjo, je te l'ai déjà dit plusieurs fois! T'es sûr ou pas? T'es trop mignonne, putain! Genre, je. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Yo, bah t'as vu, je serre comme bouche-trou là, t'as vu? Comment ça? Pourquoi? Tu veux te libérer? Yo,
ou tu veux rester avec nous? Ouais, franchement, je te jure, viens, on la libère, elle va faire son truc de coiffeuse. Ok, d'accord. On te dépose devant chez le coiffeur. Yo, y'a que ça que je fais. Yo, los balas, on vous la rend, elle nous fait de la peine. Yo, allez, si, putain, au revoir, Fatou, au revoir. C'est débile. Oh là là, Max, mais toi, sérieusement. Je suis en train de voir leur véhicule, j'ai peur. Ouais, moi aussi. Non, j'ai vrai. T'as senti la peur ou pas? Oui, 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 y'a senti, y'a senti. Attends, il va où? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Mais partez, vous voulez quoi là? Dégagez, j'ai pas d'argent. Non, non, descendez, non, j'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, descendez. Oh mon dieu. Monsieur, avec la voiture jaune, s'il vous plaît. Oui, hermano. Vous pouvez vous mettre sur le côté, s'il vous plaît? Bien sûr, hermano, bien sûr. Merci beaucoup. Nique ta mère. Ah, il est niqué. Oh mon dieu. Libérez l'otage. T'inquiète pas, hermano. Mais on n'a pas d'otage. Vous avez fait tout. Mais non, mais non, on l'a pas. Mais non, on l'a pas. La voiture. Ah, c'est pour ça. Arrêtez-vous, juste on vous contrôle. Mais oui. Mais je savais pas, nous on a fait peur. Mais non. Ah bah allez-y, allez-y. Ok, attends, attends. Mais la vie de ma mère, on va vous ouvrir le coffre. Regarde. Attendez du véhicule, s'il vous plaît. Bah c'est bon, bah y'a pas, y'a pas. Montrez voir. Ici, on a un individu qui est venu nous dire. Bah non, on n'a pas. Non, 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 on n'a pas pour de vrai. Vous avez fouillé alors? Bah je sais pas, y'a l'habitude. Il y avait un braquage non loin. Moi, il y a peur de del pollos. Écoutez, écoutez, la dernière fois, il était à l'hôpital. Il y a une pollos, un ribou. Il m'a tapé avec sa matraque. Moi, ouais, il dit depuis, maintenant, il y a une pollos. Ouais, il s'approche de moi, je pars. Du véhicule 2 minutes, oui, oui, d'accord. Tu crois, il la connaît pas celle-là. Après, tu vas m'arrêter. On va te faire encourer. Ah, vu? Vous avez besoin, vous avez besoin d'aide encore ou pas? Non, il va encore faire la spéciale. Toujours dans un monde parallèle, il allait rien dire. Il allait juste nous dire bonne soirée. Ils font le tour, vas-y, nickel. T'es fort. Bah là, ce qu'ils ont fait demi-tour sur nous. Bah là, ce qu'on fait demi-tour sur nous. Hein. Va. Oh, doucement. Let's go. Ah merde. Ils sont au niveau du barrio, faites gaffe. Yo, les balas, ils. Bon, l'orio, c'est pas ma faute, cabron. Mais on regarde. L'attaque. Il a fait quoi? Ah, parce je que t'as. Tombé les balais. Il en reste un. Ça... Bon, oui, il en reste un. Mais par contre, le deuxième, je l'ai vraiment baisé. Donc ça veut dire que ça marche. Ok, tu me dois 25 euros alors. Donc faites attention qu'on roule pas. Mais non! Mais non, t'as raté! Mais il a raté ce cabron de merde! Roule, roule, me roule! On peut pas rouler derrière. Oh merde! Il arrive. Il arrive. Je suis bloqué. Miguel, il arrive, dépêche-toi. Roule à gauche, à gauche, à gauche. Il passe le buisson? Mais non, oui, mais oui, non, il passe pas, mais non, il passe pas, non. Ça passe pas, ça passe pas, c'est fini. Mais ouais, bon. Allez, ça part à pied, ça court. Non, mais. vous êtes où là, Miguel? Miguel! Stop, stop! Oh, ils l'ont pas pris parce qu'on a les deux coachés à côté de nous. Oh, il m'a raté. Attends, j'arrive pas à remonter. Aïe aïe aïe! Arrête-toi! Yo mais yo m'en rentré! Arrête-toi! Ok! Ils sont derrière nous. Si, ils ont ok, il était niqué maintenant! Non, tu montes pas sinon je te tire dessus! Retombe! Retombe dans l'eau! Ok, eh ouais! Poyos de merde! Ok, c'est bon, il est géré parfaitement la situation! Ok, los poyos. Y'a que toi qui es là? Ouais. Ok. Ils ont pas dessus, c'est bon! D'accord, attends. Attends, Dar. Je cherche une solution. Les hermanos, les hermanos, je suis. Sous le tunnel, avec une poyos en joue, il est en train de nager. Allez, venga, nage, nage. Mais comment tu fais pour nager les mains levées, cabron? Non, hermano. Je te tire. Je tire, hein. Non. Va dans l'eau. Tranquille, tranquille. Va dans l'eau, cabron. Ils ont un otage. Va dans l'eau, cabron. Oui, dans l'eau. Ok, ok, okay. Saute dans l'eau, y'a le tout. Toi aussi derrière. C'est bon, ça va. Ok, je suis dans la merde. Premièrement, ma voiture est dans l'eau. Je vais la récupérer. Vous vous débrouillez. Okay. Ah, merde. C'est faisable, ça. Vous appelez une camion, vous la remorquez. Deuxièmement, okay, okay, ça, c'est faisable. C'est faisable? Ouais, ouais, c'est oui faisable. Et faisable. D'accord. Oui et non, je suis pas sûr. Ok, oui, oui, oui. Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Deuxièmement, oui. Ma coachée, vous la mettez sur la route et après, il monte dedans et il me casse. T'es où, Rada? Ok, c'est tout? Ok, ok. Non, mais faut pas venir me chercher, il va me débrouiller tout seul parce que là, ils ont encerclé le canal, ils passent des deux côtés et ils sont baisés, gros, des cabrons de merde. Ils ont des bateaux? Non, ils ont pas de bateaux, ils sont à la mer. Et toi, arrête de reculer! Arrête de reculer! Ouais, y'a quelqu'un qui peut choper un jet ski ou un bateau, ça peut le sauver. C'est ce qu'on cherche, y'en a pas à la radio, y'en a pas partout. Ils donnent les informations que vous. Je donnais vos revendications à la radio. D'accord, ok, dis-leur que si jamais ils avancent trop, y'en est tout, d'accord? Dis-leur. Ok, premièrement, ils ont bloqué. Un passage, là ça y est, c'est fini pour moi du côté droite. Deuxièmement, écoutez, si il veut fuir, c'est à la nage, mais à la nage, il va pas.
Ok, non, c'est quoi? Parfait, parfait, ils ont ramené le bateau. Tu leur dis qui me donne le bateau? Où y est tout? Allez, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui, là, attends, c'est bloqué, là, c'est bloqué, j'arrive. Eh oui, merci pour la porte de Santinas. Écoutez, moi. Ça pose problème. Ça pose problème, hein? 300 ans qui meurent. Ça pose problème ou pas? Non. C'est un plus gros problème, ça, c'est vrai. Ok, on va passer une marche d'Ados. Moi, je vous promets que je pars là-bas. C'est qui, un jet ski? C'est moi. Oh, perfecto. Ok, attends. Vous partez avec lui? Oui, mais attends. Non, mais attends. Ils ont bloqué toutes les entrées, hein? Ils ont pas bloqué. Vite. D'accord. Derrière, y a personne. Ouais, derrière nous, y a personne. On vous l'assure. Okay, hasta la vista, baby! Côté, bravo, vous pouvez démarrer! Eh ouais, cabron! Ah! Oh, t'es une galère, je casse les couilles là, tellement maître. Pow, pow, pow! Yes, we Miguel, raconte! Bon, je l'ai. Tu l'as, c'est bon? C'est bon, Aima! C'est bon, je l'ai. Je passe par de l'autre côté où est-ce qu'il y avait les bateaux? Tu es un héros! Yo soy Miguel, raconte! Eh, il est roté en même temps. J'ai peur pour Mason et Lorio. Ils sont là encore, ils sont encore en et ils... Non, ils répondent pas. Ouais, ils essayaient. Téléphone, radio, rien. Ils vont juste faire péter. Ah, mais s'ils se sont fait péter avec Mason, t'as la merde, hein. Je pense qu'ils sont morts. Il va voir au commissariat s'il y a Lorio et Mason. Après, Lorio il va sortir, mais Mason. Il sortira jamais, hein. Il a les specs interrogatoires de Bichou parce que j'ai peur qu'il tombe sur des forceurs. Il te laisse la voiture, il revient. Il va faire une petite pépé. Monsieur, en ce qui concerne l'insigne de police qui est là, que vous avez sur vous, nous allons l'inspecter. Chaque insigne de police possède un numéro de série correspondant à un agent de police. On va vérifier si celui-ci est un vrai et à quel nom il est attribué si cela est un vrai, d'accord? C'est de la déco, quoi, c'est du top. Ah, il force, c'est dommage. Bah, normalement, c'est du top. D'accord, top, eh ben, écoutez, on va vérifier tout ça, monsieur. Sois putain d'acteur. Si HRP, il savait pas que c'était Mason, je te jure, il aurait pas dit ça. Là, si tu tues mon cul, ouais, bande d'enfoirés, c'est parce que je suis noir, hein. Ah, en vrai, tant mieux, là, ils vont là, ils savaient qu'il y avait du racisme au sein du cinéma, en fait, ils savaient... Là, ils se sont précipités, ils vont arrêter Mason, ça va être tout carré, il va y avoir vice de procédure, et ils vont devoir le relâcher, il va être totalement libéré de toutes ces charges. Vous avez une carte d'identité, non? Non, j'ai pas de carte d'identité, bah non, vous vous doutez bien, je suis acteur, et je dois jouer un rôle, je suis Antoine Lefebvre dans mon rôle d'acteur. D'accord, il est à qui le permis que vous avez sur vous? Le permis? Bah allez-y, prenez-le. Il y a pas de nom. Ah bah, vous voyez, un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Le pouvoir de la magie. Vous voulez que je vous montre un autre vice de procédure que vous êtes en train de faire devant moi? Vous ne m'avez absolument pas pris mes lacets, ni mes outils personnels comme mon collier, ainsi que ma montre. Vous voulez qu'il se suicide? Ce qui fait que je peux me suicider. Vous voulez que je me suicide? Non, hein, on surveille. Hein? Mon téléphone, vous voulez que je me suicide? Vous voulez que j'appelle? Attends, non, approchez pas où je me suicide. Approchez pas. Enculé. Vous n'avez pas où suicide. Enculé, vous ne prenez ni ma radio, ni mon téléphone, ni mon chapeau, ni mon collier, ni mes clés. Vous voulez peut-être que je me prends un noir qui se prend dans une cellule américaine avec deux blancs? C'est ça que vous voulez? Ah, ça vous rappelle un film raciste? Non. Vous êtes libre. Vous voulez rester un peu ou? Non, moi ça va aller, je vais sortir. Attends, mais comment ça la putain de ta mère, t'es libre? Viens me faire un bisou. Je vais me pendre et je vais carrément. Ok. Je vais carrément me suicider en sautant la tête contre le mur. Non. Je dois l'emmener à l'hôpital. On va devoir le laisser sortir. Et vous? Voilà, que ça serve de leçon, il y a eu des vices de procédure, on est une bonne police, du coup, on fait respecter. Ouais, on l'a repêché à la fourrière et tout, c'est bon, il y a du temps qui est passé. Attends, je monte. Allez, grimpard! Cabron! Vice de procédure! Ouais. Moi, il était parti récupérer ma voiture! Bande de bâtards, vous nous avez laissé sur la poursuite avec tout seul! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu, je suis rentré dans un parking en moto et je sais pas comment t'expliquer. T'as vu, ils ont voulu faire un barrage sur la sortie. En mode, ils voulaient nous bloquer. Oui. Et t'as vu, comme toi, il restait un trou. Genre, j'allais passer par ce trou. Sauf que l'autre, la voiture, la deuxième, elle a foncé pour bloquer le trou et du coup, ça m'a percuté, je suis tombé. Oh, cabron! Cabron, ils ont fait une vice de procédure alors qu'il avait Mason Lawrence! Ils doivent certainement avoir la haine. Moi, je vais pas être gourmand. Je vais massager. Il est temps pour moi d'aller dans le nord. Mais non, Mason, tu restes avec nous, hein! Et Mason aussi, cabron de merde! Ouais, pourquoi tu te balades avec ton ancienne plaque de poyos sur toi? Mais en fait, par contre, non, ça, par contre, j'avais vraiment zappé que je l'avais. Bah oui, mais t'es une cabron! Attends-moi deux secondes, je suis là. Deux secondes. Ah, los balas! Comment on se retrouve, hein, cabron? Alors comme ça, ça fait des descentes dans le barrio quand tonton n'est pas là, hein, cabron? T'étais où? Et alors, vous avez fait quoi, vous?
hier. Arrête de parler, arrête de parler, t'étais où? Moi, il était en train de récupérer ma coachée à la fourrière. Aïe! Donc comme ça, ça fait des descentes à Los Barrios pendant que Miguel n'est pas là, hein. Vous... ouais, mais on s'en bat les couilles. Écoute-moi bien, vous craignez ma fourrure. Regarde Miguel, regarde, regarde ce que j'ai dans les mains, regarde Miguel. Regarde, tu reviens tirer sur moi dans mon quartier, je t'allume tous les soirs et je te fume. Tous autant que vous êtes. Tire. Vous enculez. T'as compris ou pas? Tire. Eh, vous avez pas compris ça? Comment ça? Non, non, je tirerai pas maintenant. Ah, tu vas pas tirer maintenant, hein, cabron de merde. Non, mais écoute-moi bien, on a couché 3 gars de chez toi. Ah oui, bah ils étaient 3. Tu vas coucher tout le monde, cabron. Après, vous êtes caché toute la soirée. Vous êtes caché toute la soirée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Louis, il nous appelle, il nous dit. Louis, il nous appelle, il nous dit. L'Orio, il s'est fait choper, on sort pas du coup. C'est ça? Vous faites les grosses couilles, après vous faites les petites couilles. Cabron de merde. J'ai appelé Louis, il m'a dit. L'Orio, il s'est fait choper. Cabron de merde, tu as soucié la choupa de Diego pour avoir. Une ADP, nous oui on fait la. Oui si, eh ouais, toi tu parles. L'ADP, elle a été gratuite. Oui, 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 c'est normal. Gratuite parce que tu as payé en nature. Hein oui tu parles de merde. Moi, nous, les Los Vagos, on se bat avec Los Pistoleros parce que nous, on est des armes. Ah ouais, d'accord. Eh oui, cabron. Ah ouais, et la K, et le fusil à pompe, et les gilets pare-balles. Mais arrête de pleurer. Est-ce que tu les as déjà vus? Vas-y, quel fusil à pompe? Oui, on les a déjà vus, bien sûr, à côté du concessionnaire. Arrêtez de crier! Arrêtez de crier! Toi, si tu n'as... Tu veux montrer tes cojones? Moi, je suis Miguel Raconte! Y'a pas besoin d'un DP pour te baisser ta mère, cabron! Eh ouais c'est cabron, escúchame, escúchame, parce que toi, tu es venu au barrio avec une ADP, tu es venu, tu penses que tu es quelqu'un, mais hermano, reviens demain quand je suis là, reviens, tu verras, tu verras, nous, avec los pistoleros, on va vous niquer. Pourquoi demain? Parce que vous avez attendu qu'ils étaient 3 pour tirer, bande de merde. Eh oui, bande de cabron de merde. Toute la nuit, on vous a cherché. Ça fait 3 heures, on tourne, bande de trous du cul. Vous êtes menteur. Vous êtes des menteurs. Bon, jefe, escoute jamais. Ton OG, il a dit, oui, on est en train de chercher les Vagos. Je vous ai vu, vous étiez là-bas, cachard, comme des putas. Ah oui, on se mettait en place, Maria, c'est pas vous mettez en place, cabron de merde, hein. Écoute, on faisait le plein d'essence et après on partait pour vous chasser. Los planos de l'essenzo, hein, cabron. Ouais, c'est ça, espèce de menteur. Tu es une putas. Ouais, un et tous los balas, vous êtes des putas. Et los Vagos, baisse los balas, cabron. Les Vagos, c'est de la merde, on vous baisse tous les soirs. De sale. Vas-y, ferme les on l'a égorgé cette chienne. On l'a baisé. Arrête, c'est noir. Dis pas ça, cabron de merde. Arrête. La différence, c'est que toi, tu dis ça, tu vois. Aïe! Arrête! On est venu dans votre propre quartier, on vous a enculé tout ce temps que vous étiez. On va c'est une faute développée pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs, ils veulent m'empaumer, n'ont pas eu les couilles de chasser.